Maruru mo i te tātou wharere rā, i te ia te mere to i te whanau rā whare māhoi nā tātou no te ihoro nei, i te ia tō monire, toru ahuru no te nei atopa. Ia tō ino ni mo e miti pa ue piripiri e te reo, no tratu e rā i te pō wantere dire, samdi, ai, buheu te one. Maruru mo i te, te mahana nei whari mai tātou, te teimo purutu, tēnō tu te teimo tōa, no nia i te teima e tira e whanau i ara i te atopa, i te ahuru māpiti i roto i te tua oire no Punavia, ta tatu ia e whari me aru aero te 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 me hopea, te te me whahoi o e proporau rā i a Lenai, no ta tatu mo manini, no te mana, Lenai, Yorana. Yorana Mario, et vous avez vu, il n'a plus de voix, c'est parce qu'il a trop crié ce week-end avec le match de foot. Eh oui, c'est ça. Mario est à Maupiti et il a une magnifique couronne de tiare autour de son cou. Merci d'ailleurs à la personne qui m'en a offert une aussi, là, elle est sur le plateau, vous la verrez tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes lundi et ce lundi 30 septembre, nous serons avec Mawaike Orbeck et six candidats et candidates à l'élection Miss et Mister Punaouia. D'ailleurs, toute la semaine, on sera avec eux. Cette élection aura lieu le samedi 12 octobre. À la mairie de Punaouia, Patricia Puhetini sera avec nous pour vous annoncer l'ouverture du Farimetua Moorea. Alors nous, on est un petit peu en retard parce que le Farimetua s'est déjà ouvert, mais elle va expliquer les missions du Farimetua et puis parler des formations à venir. On va parler théâtre aussi avec une comédie, les monologues du pénis, ce sera avec Benoît Barbier, et Yann Parentoen. Nous aurons aussi du théâtre, mais cette fois-ci côté cours, avec Christine Benet et John Mayray, des cours de théâtre au conservatoire destinés aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux seniors. Et puis Myriama Bono est notre première invitée sur ce plateau. Avec elle, on va parler du FIFO 2014, mais surtout de la modification de la date de clôture des inscriptions. Normalement, c'était date de clôture demain, mais vous avez encore 15 jours pour vous inscrire. Et les informations, ce sera tout à l'heure avec Hiata Puhia. Oya, maruru mai te le nai, piti mini te mai rino te hora huruma piti te te me te hamantara tatu, na muaro i te tatu vea. Toraro, si vea, tamu i maina. Heyata, Yorana. Yorana, Lena, bonjour à tous. Ça y est, la grève finale est désormais possible en Polynésie. La première aura lieu lundi prochain. Le comité d'organisation médicale présidé par le ministre de la Santé s'est tenu ce matin. Le recours à ce comité est une obligation dans le cadre de la procédure de prélèvement d'organes sur personnes vivantes. Lundi, trois grèves finales seront pratiquées à l'hôpital de Taoné. Les détails avec Béatrice Chansin, ministre de la Santé, au micro de Stellat Arouamia. Ça y est, c'est faisable maintenant, c'est faisable en Polynésie. On va pouvoir donc faire des grèves rénales chez nous directement au sein de notre hôpital. Pour l'instant, il s'agit donc de faire des prélèvements sur donneurs vivants et sur les morts encéphaliques. Nous le ferons après. Je crois que cette deuxième possibilité, il faut le faire après une communication auprès du public. Il faut préparer cette possibilité avant de pouvoir faire des interventions sur les donneurs vivants, sur les morts encéphaliques. Les arrêts de bus changent de place à Papeete. D'importants travaux routiers vont être lancés ce soir. Donc, ceux qui ont l'habitude d'attendre le bus au front de mer pour se rendre sur la côte est sont invités à se rendre à la gare routière de la mairie de Papeete. Cette gare sera le nouveau point d'embarquement. En revanche, les usagers de la presqu'île devront embarquer soit au terminus du rond-point de la base marine, soit à l'arrêt du quai des ferries. Et puis, les travaux d'élargissement à 2x2 voies de la route de ceinture entre le pont de l'Est et le carrefour cours de l'Union Sacrée Titioro seront lancés ce soir. La durée des travaux est prévue 3 mois. Il y a le sport et puis des activités moins avouables comme les combats de coqs. De mai à décembre, éleveurs et parieurs se retrouvent tous les dimanches. Isabelle Jordan et Patita Savia lèvent le voile sur cette pratique qui passionne. Les sommes en jeu peuvent dépasser le million. Regardez. Les uns derrière les autres, un fil à la patte, ils attendent leur tour aligné sous le hangar. Ce matin, 260 coqs ont été enregistrés, mais tous ne vont pas combattre. Pour qu'un combat ait lieu, les deux coqs doivent être du même poids, mais pas seulement. Leurs propriétaires doivent aussi s'entendre. 200, arrête ça. Comme ça. Sous nos yeux, la négociation démarre. Elle va durer plus de 20 minutes avant que les deux compères trouvent un premier accord. Et là, actuellement, on est en 200.
On peut augmenter encore la gamme. Et à ce tarif, certains propriétaires préfèrent s'abstenir et attendre un nouvel adversaire. Si tu es sûr de ton compte, tu peux élever un peu le tarif. Moi, ce n'est pas mon cas à moi. Je combats raisonnablement. Finalement, le coq de Moréa va trouver son adversaire et entrer dans l'arène. Autour de la piste, l'ambiance est surchauffée. Ils sont plus de 300, des habitués qui pimentent le spectacle en enchaînant les paris. Aujourd'hui, le coq de Moréa doit s'incliner. L'argent va changer de main et les deux propriétaires partent s'affairer pour panser les plaies. Un peu bleu, hein ? Bien bleu. Mais il a gagné. Et toi, t'as gagné combien ? 80 000, ça suffit. L'argent et les paris, moteur d'une passion jamais démentie en Polynésie. De mai à décembre, pendant la saison des combats, l'arène affiche ici complet chaque samedi et chaque dimanche. Voilà Léna, l'essentiel de l'information aujourd'hui. Prochain rendez-vous ce soir à 19h avec Cybèle Plichard. C'était Hayata pour le Flash en langue française. On la retrouve tout de suite pour le VA Poteau avec Mario. Yorana Mario. Ani ihat prau api no te mana. Prau mata mo ite pe ya ote ya rurur a mata mo ite pe ya te tomite tia a ite pupur a mero no te faura ite ata ote te prau wan han han ite ne monire muri ne turut ata e fan an it mo mape api nor tomo ihe ote te no ata ora no te mea tra noa te if ar ihi ite ite me ite pe pe wo tupu te rurur a mata mo ate tomite if an han ne ite ne tapu pa pretitini hia ite fa tre hau o te Beatrice Chansin o tatatou e ar o mai te ene te mehurhi mai tona mon an e Carmen Dum. Ça y est, c'est faisable maintenant, c'est faisable. Oti et amar ato porinite te imhana e mono ite mape ite frem ainut auni. Au sein de notre hôpital. Pour l'instant, noté yeteime e pu oir a mape ravehia in yaite tinut ataura. Et sur les ar a noté atai to peiroto ite koma e fa atai ite ye prau i pieso ite huir atira. Noté fa inine ite ata. Arabia tuai ite mape norto mai ite ho etino fatata ite farui. Avant de pouvoir faire des... Tawiro tatou i te tumu prau i mai te imhana i tupu te tei tau i wir au tumo vahe tap ar apre o mat ein aero tau i tuere pū no pap e te no te mea e mai te e pō e ravahi a te tei mau tapura hupa no te whea e tere atu i te pēr hiti au te rai o te matau i te here i te vahe tap ar ai veirei tatei ti tauhi rato i tenei here roa tu i te whare oire no pap e te no te rave atu i te mau pre o mat ein a aria no te mautata e here roa tu i te mat ein a, ti tauhi rātou e here roa tu i te pū a te nu moana no te raveit pre o mat ein a, no te hau atu i o rātou. I te at o pō e haamata et mō tapur a promu no te ne wha anur a promu mai te ne aro a pond lest e te aro atu i whatau a haamata hau it mō pō at oat mai te ne mō tapur a hupa te wharahia mai rae no te hoi maoru a e toru a Tauro tatou i te tumu prau, ia tē tatou i te ne e tau rau o patita savea, tomatou i o te tēro atu inan hei nei, ahi o mai. Ua riro te whātito rā moa e ohipa mātau hia i porine tia nei e rā e nei maumata heiti. Tei me wharerei ai rutu pū te mautata e au nei te i ohipa. Mautata, tei ore tei o nei tō rato tei me no te whainei nei rai taratau mo moa a tito. Hou te aro rā, ti tau hia te mawhatu moa ia paruparu mai tei. E ia tū te manao, i reia noa, hare tu eia, i nek te hou aro rā. Te teme te pōpuro noa rā, bon, whanho rā e tito hou aia, tene te imito rei trap e te pei ia amo tā sto moa. E te aparo rā ni e te whaito o te moa? Ia, iso te whaito o te moa, me rahi a tāna ki te. Tera, te teipa, te moa, no mōrea mai, te tupa, te moa no teiti nei. Io nei, ai te teime whaho aia rā. Mea tito noa e te atu te heopea. E re te huipara inei, no te whaini nea ai te mo animara. Mea e ia te pēo te maa. Mo api, o reena toho. Mo teiti tara? No teiti ne ho. Kupari ho torto, kupai e teiti. E te tei moa e me huru paruparuri e pi heu tau? Awe, me paruparuri. Ona, Rusi tara, i tei, Espany. He hope ara ia o te huipa whātitora a moa. Te vaira i hoa, te pepe mai tei,
iriro ya rato i tera pau hia tu te motau i muri nei. Inha, te toro a whati tō moa, e toro a tau te moa atoa. Traia Mario te prau no te tatato pro api no te nei teme, te hua uara e te pohora no te awha whanohia mai e vitu tapo. Maru mo te he ta, tara, nā ora o e tara mo para pāri e tōi pawhaki tō moa, tēnia e tara whai tō design. Rato nai ti te tara mo ho o para para ua. Ko mau piki, maru mo te he tō tato wharerere a mi te mahana pai e ana naira. Tara para hei, hei, ai ti mo hei o pore pouro hei hoa. O hei ori o tui, ai te mo manare mo, hari mai nei, iri ua whahamana o tui ha maru ua. Tara rata tau ni e tato manini mata mo, non e te parau te fifo. Tara mai, tamu i mai nā. Comme la musique de Farima. Et à chaque fois que j'entends FIFO, j'ai la musique du FIFO derrière. C'est incroyable hein, comment ça marche. Myriama, bonjour. Bonjour. Alors, 15 jours de plus. 15 jours de plus. C'est ce que les réalisateurs locaux ont pour s'inscrire. Voilà, en fait, tous les réalisateurs, hein, on a étendu la mesure à tout le monde. Tout simplement parce qu'en fait, on a eu un petit souci de poste avec les déménagements des locaux de la Maison de la Culture. Donc, on s'est dit que ça avait peut-être pénalisé certaines productions. Et donc, voilà, on a rajouté la date d'inscription. Au lieu qu'elle soit comme d'habitude au 1er octobre, elle sera au 15 octobre. Donc, ça concerne évidemment les documentaires polynésiens ou d'ailleurs, mais ça concerne aussi les courts-métrages polynésiens, parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais il y a aussi une catégorie courts-métrages et fiction océanienne dans le FIFO. C'est des films de 15 minutes. Alors en fait, c'est des courts-métrages, ça peut aller de 2 minutes à 30 minutes. C'est vrai qu'en moyenne, c'est entre 8 et 15 minutes. Mais donc voilà, on accueille chaque année des fictions polynésiennes, donc tous les projets sont les bienvenus. Je précise parce que c'est vrai qu'on se dit souvent, ah, le FIFO, c'est pour des documentaires avec des grosses productions, des choses expérimentées. On a cette catégorie court-métrage qui en fait est quand même un peu plus légère, qui est ouverte à tous. Et je le dis parce que c'est vrai qu'en Polynésie, il y a quand même beaucoup de talents maintenant. Il y a beaucoup de gens qui font de la vidéo. On en voit qui circulent sur les réseaux sociaux. Il faut pas qu'ils hésitent. Moi, j'essaye de les contacter, mais il faut pas qu'ils hésitent à venir vers le FIFO pour déposer leur film. Il y aurait un temps minimum, justement, pour envoyer. Alors, moins d'une minute, c'est pas la peine. Ouais. Parce que c'est vrai qu'après, il faut quand même pouvoir rentrer dans des critères. Donc, moins d'une minute, c'est pas la peine. Plus de 30, c'est pas la peine non plus. Mais bon, voilà, entre 2 minutes et 30 minutes, je pense qu'il y a quand même moyen de pouvoir faire des choses. Ça laisse une ouverture à beaucoup de personnes. Voilà, surtout qu'il n'y a pas, pour la catégorie court-métrage, il n'y a pas vraiment de contraintes techniques, j'allais dire. On peut très bien le faire avec des vinyles, avec des caméras, avec des iPads, avec tout maintenant, en fait, tous les moyens de tournage numérique. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Vous avez encore jusqu'au 15 octobre. On a aussi ouvert une nouvelle catégorie pour cette année. Donc, les inscriptions seront un petit peu plus tard. C'est le court documentaire, le doc côté court. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Léna. Oui. Voilà. Donc, en fait, ce sont des petits documentaires qui vont jusqu'à 6 minutes. C'est ouvert plutôt aux nouvelles, enfin, c'est pour des nouvelles réalisations. C'est un petit peu pour essayer de dénicher des talents, parce que là, c'est pareil. On sait qu'il se fait quand même beaucoup d'audiovisuel en Polynésie. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter. Donc, pour les courts-métrages, pour les courts-docs et pour les documentaires, vous avez... Jusqu'au 15 octobre. Jusqu'au 15 octobre. Alors, ils l'envoient toujours par la poste ou ils peuvent venir directement? Non, alors, pour les Polynésiens, ils ont de la chance. Ils peuvent passer le déposer au bureau du FIFO. Normalement, on devrait réintégrer cette semaine les locaux de la Maison de la Culture. Mais de toute façon, si on n'y est pas, vous pouvez tout très bien... Nos coordonnées sont sur les sites Internet. Absolument. Sur les réseaux sociaux, on est quand même bien présents. Donc, il suffit de taper FIFO Tahiti. Et voilà, en général... Il y a le numéro de téléphone de téléphone, s'affiche. Les mails. Vous aurez le site web fifotahiti.com. Voilà. Donc vous avez toutes les informations, ne serait-ce que pour les inscriptions. Et puis peut-être si vous avez besoin d'autres informations sur le FIFO en général, vous trouverez tout ça bien sûr. Voilà, vous pouvez téléphoner, on se fera un plaisir de vous accueillir. Ah ben on va les donner les numéros de téléphone, 70 76 ou 82 65 77. Le 15, ça sera la dernière date. Hein, ah oui, par contre, on ne peut pas aller au-delà parce que ben, après, il faut qu'on prépare les films, qu'on fasse les sous-titrages. Enfin, la grande aventure pour le FIFO commence là, donc on est déjà en pleine préparation. Il y a un buzz sur Rai et Mana de Bora Bora. Est-ce que ce type de programme irait dans le... Alors, je dois t'avouer que je les ai contactés en leur disant justement, bah oui, parce que c'est vrai que même eux se sont dit « Ah, mais est-ce que ça rentre dans le format ?» et tout ça. Donc ça voilà, pourrait rentrer. Ça peut rentrer, voilà. Après, il faut adapter les choses peut-être, mais
je veux dire, ils m'ont l'air productifs, donc je pense que d'ici 15 jours, ils peuvent faire quelque chose. Donc je leur ai envoyé un message, j'espère qu'ils y répondront favorablement, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup pour les courts-métrages de films australiens et néo-zélandais. Honnêtement, je pense que les Polynésiens n'ont pas à rougir hein, de la production qui est faite localement, donc il ne faut pas qu'ils hésitent, vraiment. Voilà, et en plus, Myriama vous l'a dit, que vous fassiez un film avec votre Vini, avec votre iPad ou un appareil photo, enfin ce que vous voulez, vous entrez dans cette catégorie. Donc www.fifo-tahiti.com ou bien page Facebook FIFO Tahiti et les deux numéros qui s'affichent. Si vous n'avez pas eu le temps de les noter, rassurez-vous, vous allez sur notre page Facebook à nous et vous retrouverez tout ça. Myriama, autre chose à dire sur les inscriptions? Est-ce qu'il y a autre chose en même temps que le film à déposer? Non, oui, enfin, il y a des dossiers d'inscription, mais ça, on peut le faire sur place. Sur en place, venant. Hein. Voilà, c'est juste, il faut signer le règlement, donc rien de bien méchant, en tout cas, rien qui empêche les gens ouais, de. Il faut pas, de il faut pas avoir peur, en non, fait, il du faut FIFO. Pas. Je pense que voilà, enfin, surtout pour les Polynésiens, ils sont toujours un petit peu étonnés, ils ont un petit peu peur, mais il faut pas, parce qu'en disent, fait. Oh là là, il y a tous les pays, puis peut-être que moi, je sais pas assez bon, etc. Là, il faut même pas se poser la non. question, il faut se dire, allez, j'y crois. De toute façon, je propose et on verra. Voilà, on perd rien en essayant, et puis, ben, je pense que moi, je reviendrai vous voir bientôt. Pour vous parler de la suite. C'est ça. Voilà. Donc à bientôt, Myriama. À bientôt, merci. Oya, tauro tato ita tato moni ni te te me fari moi tato prau ya no te e na fe ai ne ne na ho ita te riru moi e ona ita ta hauti te ata tata ora. Toraro, tamu imana. Christine et John, Yarana. 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 Alors les cours de théâtre au conservatoire, c'est nouveau? Ah non, ça fait 5 ans que j'y suis. Ah oui, déjà. J'ai l'impression que c'était hier, moi. Non, ça fait 5 ans. Par contre, on a une nouveauté. Ce sont les cours pour les personnes du troisième âge et pour les gens qui sont un petit peu à la maison, au foyer, soit qui cherchent un emploi et qui ont besoin de reprendre confiance en eux, soit des femmes au foyer ben, qui périclitent, qui sont un petit peu délaissées et qui ont besoin de reprendre un peu confiance en elles et de se réouvrir au monde et donc de pouvoir bien communiquer, voilà, avoir une bonne image d'elle-même, se présenter. Je dis ça parce que, en fait, Christine est assez discrète dans le monde du théâtre parce que, en général, quand on parle cours de théâtre, parfois on a le spectacle derrière. C'est pas toujours le cas avec les cours que tu donnes. Moi, je monte à peu près un ou deux spectacles par an. C'est vrai que, étant au conservatoire, je privilégie des choses un peu académiques, classiques entre guillemets, des auteurs, des textes, des beaux textes. Et on rentre pas forcément dans le registre commercial. Non pas que ça soit du tout péjoratif, mais c'est juste que je respecte l'établissement dans lequel je suis. Et la formation que je donne, elle est classique, elle est académique. Même s'il y a des auteurs contemporains, ça reste quand même des auteurs à texte. Alors, je lisais quelques commentaires sur le net en disant que, tout ce que j'ai lu, c'est Christine est une bonne prof. Bon, ben voilà, c'est dit. C'est quoi être une bonne prof au théâtre? C'est, déjà savoir de quoi on parle soi-même, c'est d'avoir été formée dans des grandes écoles, dans des conservatoires, d'avoir un intérêt à l'autre, de leur montrer les progrès qu'ils font. Parce que souvent, on oublie, on arrive très timide et puis on oublie tous les progrès qu'on a fait. C'est être très. On les voit très... pas aussi parfois. Oui, on oui, voit oui, pas mais, les progrès. Mais je leur dis parce que c'est intéressant quand même de voir la progression qu'on a fait. Et puis aussi avoir une idée artistique très précise des productions que tu peux faire avec des gens qui sont en train d'apprendre un métier. Alors, en train d'apprendre un métier, c'est-à-dire c'est... Le métier de comédien. Ah oui, d'accord. Moi, je les considère. Parce qu'on le voit comme ça, c'est-à-dire que les cours, c'est pas juste pour s'amuser, on apprend un métier. Bah c'est un art qui est enseigné, sérieusement. C'est marrant parce que j'ai des parents qui me disent, oui, moi, mon enfant, il vient faire du théâtre, mais enfin, bon, il vient s'amuser. Ouais. Et ben je dis ben alors il y a le McDo, il y a d'autres endroits. Ah bon. C'est un art majeur qu'il faut apprendre. Ça veut dire qu'on rigole pas au cours de théâtre. Non, ça veut dire on rigole, mais ça veut dire que c'est enseigné sérieusement. Il y a la diction, l'expression corporelle, la détente, la respiration, la compréhension du texte, la lecture à haute voix. Il y a plein de travail d'improvisation. C'est enseigné sérieusement, sérieusement. Comme quand on apprend un instrument de musique au conservatoire. Absolument. Mais il ne viendrait jamais à l'idée d'aller faire des cours de piano et puis de dire, maintenant, je viens juste m'amuser. Hein? Donc, quand on fait quelque chose, il faut le faire bien, c'est ce que je fais. Oui, alors, est-ce qu'elle le fait bien, Christine? Madame, je peux prendre des cours avec vous, s'il vous plaît. Aïta
D'ailleurs, John est là pour la partie tahitienne, mais est-ce qu'il y a des cours aussi en tahitienne? Alors, il va t'en parler à partir du mois de janvier, il va ouvrir son créneau. D'accord. Donc, en fait, on aura l'occasion d'en reparler. J'ai repris sa salle au conservatoire, il avait la salle de Orero, c'est moi qui ai repris sa salle. Donc, maintenant, il va réintégrer aussi un petit peu les locaux. Bon. Alors, les cours pour les enfants ont lieu quand? Le mercredi après-midi de 13h30 à 15h30. Et pour les adultes? Les adultes, c'est bon, il y a plusieurs ateliers. Alors, pour les femmes au foyer et pour les personnes âgées, c'est le lundi matin, jeudi matin, 9h30, 11h30. Pour les gens qui travaillent, il y a le mercredi soir. Et pour les gens qui veulent rentrer en production avec moi, c'est-à-dire faire partie du spectacle, c'est le vendredi après 16h. Si on n'a jamais, mais alors eu aucune notion de théâtre, c'est là qu'il faut aller? Il faut venir soit le mercredi, à partir de 16h, soit le matin, ma foi, si on ne travaille pas et qu'on a du temps de libre. Donc pas de limite d'âge ni... Absolument pas, au contraire. Même pour commencer, je veux dire. Non, absolument pas. Moi, j'adore travailler avec les personnes du troisième âge, on va dire ça comme ça, parce qu'ils ont une maturité de la vie qui est très intéressante. Ils ont l'expérience, ils ont la sensibilité, ils ont vécu plein de choses et c'est très riche comme matériau. Quand on a 20 ans, on ne connaît pas la vie. C'est difficile de pouvoir jouer une reine qui souffre ou quoi que ce soit. Par contre, quand on a vécu, ça, c'est déjà plus intéressant. Et est-ce que vous mélangez parfois les niveaux Oui. Oui. Là, il m'arrive, j'ai deux jeunes polynésiennes qui viennent d'arriver. Elles n'en ont jamais fait, mais elles ont un talent, une répartie qui déjà peut déjà être exploitée dans une production. Alors, normalement, les cours au conservatoire, on s'inscrit au mois d'août. Est-ce que là, éventuellement... On peut s'inscrire pendant toute l'année. On peut s'inscrire au cours de théâtre toute l'année. Donc, pour en savoir plus, vous allez sur www.conservatoire.pf, la page Facebook, Conservatoire artistique de la Polynésie française. Et puis, deux numéros de téléphone, le 50 14 14 pour le conservatoire ou le 700 278 pour Christine. Merci. Merci à toi, Lenec. Oye, te teme fari mi tatu ya John, John Yorana. Yorana Mario. E propora uta uno te ye vene ya Christine Benet, no teme. A te rua varo tu e te veira te ye hapira, i roto i te ye puta tatu te oi hoi te fari uparau. E reane. E, mi te ebe churu, i tiamatar a, apam taiti o Christine Chabira i o, mi te era churu, e aita te rei tapurhe i roto i te tapur ohipa a te fari uparau. Wani Christine e tar hoi di te mufia no te oroa. I te imataiti, te amatara i te whaauhi e roto. E a tāra i te te mea tenua rehar mai nei, e rame amu i maua i te tapura ahupua, ona no te teata nartu i te reo frani, e maua to opiti no te teata nartu i to tauare. Rai, e oro atu i e roto i te imataiti. Ani, no te te me, mō me tua in arora, aurera te tamari te anatera harehap i te hupa teata tātaura, mena whea. Mena awa miti mea, no te imura atamari i, mena artu hua i te rufrani, no i ea atopuputo ratu wheruri atu mea, te hapira ratu i te wherehapira, na Christine te reo hupa e rawe. Tap oie ea Christine ra, e ta ratu hapira, te te mahano toru i ei te maitora, de kalera, kalera jo pour les enfants, l'après-midi? C'est de 13h30 à 15h30. Pour hoa e te afa. Har tu choro toro de apiti hora, apiti hora. E rava ki stini te tamari i, mei te whaito e ono ma taitu hamatar i te tei o teri parau, hari roi ki ahuru mapiti, ma teri e whaito, hari roto oa i te tau re reada. E te whaito ora raho e hupa apita i wharo tura, te imo pra mama, whare, mo papane. Oia, oia, te waira teri ra mo tata ti whaatu ahia e reane, te man aure e rava tu hupa tea taura, e rava rei ki hara mei neru tu te hapira a Christine, uharu e matai jai, hai e iaro. Tau hai, uiteo e, te tiara au Christine. Nene hoa prawe tono huru oro me tua, me iti ona, iti atu atu, iti tamari, e te whea pāre. Te rata pahai pahai hei e te ewe heine, no atu pahai o to uhu a te e, roto rai te anatapura hei pa. Te toroa? Te toroa, te toroa. Uite mai te one ato hei pata anera vaira. Te ora, John, te ia matai ti here mai nei, te ora, te veito ora tara hapi ra, nartu i te reo teiki. Nartu i tu tau reo. Mi te hamata, mi te awa e tenuare e o atu. E rawe amu i māua a thei teri atu anu te tea taura, no te orero nartu i te reo teiti, e te orero atu a nartu i te reo frani, no te mea, e hari a teri hapi ra, e te mo tata, e hini arora, e parau i mo i te aro te tata, nartu i te reo teiti, ara nartu i te reo frani. Ti te ato e anira, John, mi te peu e te maramara maturuo, e toru a te i, eh? E toro oa? Ia Christine, uharo Christine i te hapi rā no te ehupa. Tāua o i te hoa i oe, menartoma i a papea wa tāua i te amatara a e, rio mani tāua i tātauti,
Notetur wara waharu Kristin terito teria hipo. Teura efan otra muta te hariru tu tera hapira nai pron. Ito na arabi. Hapira nen hetano eriru mai ei. Ete te aturi ne mata wai te moment hei te muri nei ya oro atu te hipo ro te fare uparau e horo aro hei te prau tu ite na te muta ata e hare era wai te hipo te atau. Maruru mai te John. Maruru mai te. Maruru Kristin. Merci. Maruru mai te chara mai nye te tu mupra. Tau tatau toraro sivia tamu mai na. Ah, j'ai oublié de demander à Kristin qu'est-ce qu'il faut pour la voix. Parce qu'il n'a plus de voix. Manger du mappé. Il faut manger du mappé. Il a une solution pour toi. Voilà. Sinon, il y a une recette de grand-mère chinoise. Il faut que tu prennes du navet, que tu fasses bouillir le navet et que tu te gargarises avec l'eau de navet. Il paraît que ça marche. Hein. Oui, pour la semaine. Ça marche ? Ça marche, ça, pour la voix ? J'ai deux autres... on va parler théâtre cette fois-ci, mais non pas cours, mais spectacle, en fait, une comédie. Les monologues du pénis. Alors, après les monologues du vagin, le pénis. C'est le même auteur ou pas ? Pas du tout, pas du tout. Alors, il a copié ? Non, il s'est inspiré. Disons que les monologues du vagin, au départ, ce sont des témoignages de femmes qui ont été regroupées pour faire une pièce. Hein, et l'auteur, lui, il a vu cette pièce, il a dit pourquoi pas faire le pénis, il faut que les hommes répondent un peu. Et lui, il a écrit plutôt la pièce sur l'humour et la comédie, voilà. Bon, les femmes aussi. Il y a quand même des témoignages... violents. Pas violents, mais bon, c'est pas forcément... C'était plus dramatique. Ouais. Oui. Voilà, c'est pas forcément humoristique. Ouais. Alors, c'est pas un spectacle qu'on va voir au Petit Théâtre, par exemple. On a une date une au date. Petit Théâtre, mais là, la production... C'est une tournée, en fait, que Zip vous proposez. Prod nous offre une voilà, une on va promener le pénis un peu partout oui. Sur la Polynésie, voilà. Alors, où ça ? Vous commencez où ? Alors, on commence la première soirée, c'est jeudi au Morrison. Ensuite, on va sur Moréa. Hein. Coucou les gens de Moréa, j'apprécie de nous voir. Ils vont nous attendre au Beach Camber et aussi à la salle polyvalente de Papao. Alors, vous n'avez pas peur de réactions On en a déjà, oui. Ah bon quelques... oui, oui. D'accord, alors quel type de... Parce que, justement, ça peut faire peur. Les gens ne connaissent pas, alors ils se disent, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, le mot pénis, c'est voilà. Un petit peu difficile à dire pour certains. C'est pourtant le mot du dictionnaire oui. qui est le moins vulgaire possible. Hein, c'est la définition du sexe masculin. Voilà. Et donc, non, il n'y a aucune vulgarité, justement, dans le spectacle. Dans le spectacle. C'est la description... En fait, c'est le sexe masculin à travers les âges de trois hommes, un intello, un macho et un homosexuel. Donc voilà, on aborde ces sujets-là. Ouais. Mais pour répondre à ta question, Léna, moi, je suis au contraire content qu'il y ait ces réactions-là. Mm-hmm. Parce que ça veut dire que c'est nous, on est sûr de notre spectacle. Alors quand on dit ces réactions-là, c'est des réactions contre. C'est des réactions un petit peu choquées. Juste parce qu'il y a marqué le mot pénis sur une affiche, je trouve ça. C'est l'éducation qui est derrière tout ça. Donc, on peut critiquer que quand on a vu déjà. Voilà, donc allez voir et après vous pourrez critiquer ou pas, c'est ça ? Exactement. Mais est-ce qu'on peut aller voir en famille quand même ? Non. C'est comme le titre l'indique, c'est quand même plus pour les. On va dire les. Allez, après l'adolescence. 15 ans, les adolescents, 15-16 ans. À partir de 15-16 ans. Avant, ce serait un petit peu. C'est un peu trop jeune. Tout simplement parce qu'en fait, les enfants ne vont pas comprendre non plus. Mmh. Donc, je pense il y a des subtilités pas... de langage. Oui, puis ça parle surtout du pénis, bien sûr, de la petite enfance, mais après adulte, donc forcément, il y a des choses réservées à l'adulte. Oui, alors voilà, qu'est-ce qu'il fait ce pénis Alors, peut en savoir, fait, justement. Non, alors c'est l'histoire. Non, mais pour reprendre la pièce, effectivement, c'est la masculinité représentée à travers trois personnages, comme il a dit. Donc, ça représente l'homme, en fin de compte, hein, le côté intellectuel, donc le cerveau, macho parce que c'est l'homme, et le côté féminin qui est accentué par le côté homo. Et ils vont chacun parler de différentes expériences qu'ils ont eues à travers leur vie avec leur pénis, tout simplement, voilà. Donc des expériences sexuelles alors. De tout. Il y a pour les petits garçons, c'était la découverte de. Quand ils découvrent, quand ils sont jeunes, voilà. Ah, d'accord. Ça. Donc c'est vraiment le rapport du pénis avec l'homme. Alors c'est sûr. Comment il voit son sexe en fait. Comment l'homme voit son sexe. Comment il l'appréhende. Comment il le présente peut-être. Bien sûr. Oui. Parce qu'il lui donne des noms. Pourquoi les gens parlent jamais de leur pénis. On donne toujours un nom vulgaire. Oui, on dit popole ou voilà, autre chose. Voilà. Donc tout ça c'est abordé. Oui. Et avec ces trois visions. Ces trois compères. Trois visions différentes qui sont à la base en fait des amis d'enfance. Oui. Et qui se retrouvent pour cette conférence. Parce qu'en fait, c'est une forme ça pourrait être une conversation entre trois copains chez eux. Alors, en l'occurrence, là, non, c'est une conférence. Le public participe. Voilà. Ah, vous faites participer le public. On questionne. Bon, alors, pour celles et ceux qui y pensent, on n'y va pas tout nu et on ne vous voit pas tout nu non, sur, non, la, non, sur la scène. Non, non.
Non. On met notre esprit à nu. Voilà, votre esprit. L'affiche, oui, c'est parce qu'ils se mettent à nu pour parler de leur pénis, tout bien simplement. Bien sûr, et puis parce qu'il fallait bien qu'on les voit tout nus. On ne voit pas le reste. Il fallait bien qu'on nous voit tout nus. Mais oui, mais parce que le pénis, si on parle de pénis, il faut parler du corps. Du corps. Donc l'affiche, elle est là. Sur l'affiche, il y a toutes les dates, tous les endroits. Oui. Donc on rappelle que la première, c'est... Au Morrison. Ce jeudi, à partir de quelle heure? 19h. Et alors, pour les places, on y va directement? Alors, il y a soit à Carrefour, hein, comme d'habitude, et Radio 1 aussi, en ligne. Ou sur place. Deux numéros de téléphone d'ailleurs pour les places, 430-400 ou 798-531 si vous avez envie d'avoir des places. Elles coûtent combien ces places? Alors ça varie des endroits parce que comme on joue dans différentes salles, il y a des soirées où c'est simplement théâtre, d'autres c'est avec boissons ou tapas, d'autres on a un dîner spectacle white par exemple. Et ça va de combien à combien? Ça va de 2500 simple théâtre à ça peut être 3000 avec une boisson, ça peut être 4000 avec selon boissons l'endroit et tapas, où on va, selon ça, c'est une formule qui est proposée. Hein. Voilà. Jusqu'à quand cette tournée les monologues du pénis? Jusqu'au 3 novembre. Voilà. Et la première, c'est jeudi. C'est important de faire les premières. Ah, c'est très important. Tu viens, c'est ça que tu veux nous faire? J'ai une invitation. Normalement, oui. Bon, alors on y va pour jeudi. Et autrement, vous retrouverez sur l'affiche qui est d'ailleurs un petit peu partout aussi. Oui, hein. Sinon, il y a le site aussi, www.ziprod.com. C'est ça, ziprod.com, ça va s'afficher. Voilà. La page Facebook, c'est les monologues du pénis. Et puis le téléphone, on l'a donné. Voilà. Donc en tournée à partir du 3 et jusqu'au 3 novembre, une comédie de Carlos Goncalves. Les monologues du pénis, c'est vrai que ça fait un petit peu choquant comme ça comme titre, mais c'est une comédie. On va pour rigoler avant tout. Hein. Normalement, oui. Voilà. Mais on évite d'emmener les enfants tant qu'ils n'ont pas 15-16 ans. Voilà. Merci. Tout à fait. Merci. Vous voulez dire un merci aux autres acteurs? Grand merci à Lilou qui nous a fait le plan de communication, qui s'occupe un petit peu de la logistique, la mise en scène donc de Yann Parentoen. Merci à Thierry Latrobe et Nicolas Arnoux qui sont mes compères sur scène. Venez, on est là quand même pour démystifier ce thème. Cet objet. Voilà. Merci Elena, voilà. C'est sympa. Donc non, c'est avant tout pour rigoler, pour démystifier, donc c'est ça. Il n'y a rien de grave. Ouais. Voilà. Tout va bien. Ouais. Tout va bien. Merci. Vous saurez tout. Voilà, et vous saurez tout sur le zizi, comme dit la chanson. C'est exactement ça. Merci tous les deux. Merci Elena. Merci. Harita tu m'ore, notea, wahamau yeho e fare metua, notea, no m'ore. Tatatu ye manhin ye far imete teme iroto ite fanora fare maho. Toraro, tamu imai. Patricia Yorana. Yorana Lena. Le Farimetua, c'est comme une école des parents. Hein? C'est ça. Et alors, elle existait déjà sur Tahiti. Il y en avait une à Papeete. Elle a fermé celle de Papeete. Oui. Et maintenant, c'est à la Presqu'île. Il y a la Presqu'île, oui, à Verao. Et alors, maintenant, à Moorea, s'ouvre aussi cette école des parents. Une école des parents, ça veut dire que les parents sont invités à faire des formations, à faire des stages, ou alors ils peuvent venir juste raconter leur quotidien. Non, parce qu'une école des parents, c'est que les parents sont invités à venir vivre cette formation sur les forces vitales humaines. Voilà. Et alors, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'on va y apprendre? On va apprendre comment nous sommes, nous, l'être humain. On va apprendre à connaître. À mieux se connaître. Oui, à mieux se connaître. À connaître aussi nos différences par rapport à d'autres. Nos réactions. Façon de faire, voilà. Mm-hmm. La réaction des personnes. Ça, c'est important aussi dans la façon dont on éduque nos enfants, nos réactions et notre... Bien sûr, parce que nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants. Alors, si on fausse un petit peu sur ça, nos enfants, ils vont fausser aussi dans leur vie. Et alors, qui donne ce type de formation? Ce sont des gens qui ont eu déjà des formations eux aussi, ou alors vous recevez des formateurs? Celui qui donne cette formation, c'est Médéric Bernardino. Il n'y a que lui qui donne les formations? Sur le territoire, oui. D'accord. Oui. Donc ça veut dire que même le Farimetua Amorea, ceux qui ont l'habitude de le voir à la Presqu'île, verront aussi Médéric Amorea. Voilà, ils verront Médéric en janvier. Mais le Farimetua de Amorea ouvre ses portes le 5 octobre.
Et les formations... Ah, je croyais qu'il était déjà ouvert, en fait. Non, il si, va c'est ouvrir. Déjà ouvert. Oui. Mes activités, ça va démarrer, là, le 5. D'accord. Mais la formation, elle commencera par moi-même. Je donnerai la formation sur le premier niveau. Alors, n'importe qui peut s'inscrire à cette formation ? Tout à fait. N'importe qui. À partir du moment où on est parent. Voilà. Ou bien même si on n'est pas encore parent. Parce que toi, les jeunes aussi, parents. Voilà. Futurs ouais, parents, et puis on se pose des questions, on a envie d'apprendre des choses, on peut. Et alors, est-ce que cette formation est payante ou gratuite? La formation est payante. Mon Auréa, c'est 2000 francs la formation avec le repas inclus. 2000 francs pour quoi? Pour une journée de formation? Une journée. On commence à 9h30, on finit à midi, on reprend à 1h30, on finit à 16h. Et la formation dure qu'une seule journée ou elle va durer plusieurs journées? Non, une seule journée. Une journée, hein. Oui, une fois par mois. Une fois par mois, voilà. Et alors est-ce que c'est toujours le même jour? C'est toujours le même jour, c'est toujours le samedi. Donc le samedi... Le premier samedi de chaque mois. Le premier samedi de chaque mois. Notez bien, hein, quand vous êtes à Moorea, vous pourrez avoir une formation au Farimetua. Le Farimetua est situé où à Moorea? À Papeetoei, en face de la salle omnisport de Papeetoei. Mmh. En plus, ils ont créé une page Facebook exprès parce qu'ils venaient aujourd'hui et qu'il n'y en avait pas. Vous voyez un petit peu? Donc ça sera l'occasion de leur envoyer des messages sur leur page Facebook. Ils ont mis quelques photos aussi. Pour les inscriptions, il faut appeler le 77-02-08. C'est ça, et c'est Juliette que vous aurez. Voilà, et je précise bien qu'il n'y aura pas que les forces vitales humaines qui vont se passer dans cette maison-là. Il y aura le pôle des enfants qui sera géré par Vahiré. Il y aura, ça veut dire que si moi je vais à la journée de formation, il y aura des gens pour s'occuper de mes enfants éventuellement, c'est ça? En vue. Oui, c'est en vue. C'est en... Mais ça sera ouvert que l'année prochaine. Ah, ça, d'accord. Voilà. Donc là, aujourd'hui, le Farimetua, il propose uniquement les formations? Oui, les formations. L'écoute quotidien? Est-ce que tous les jours, c'est ouvert, par exemple? Je crois, oui. Oui. Ça sera ouvert tous les jours. Par exemple, j'ai un problème à la maison. J'ai envie d'en parler avec quelqu'un, mais je n'ai pas forcément envie d'aller voir une psychologue ou un docteur. Je peux venir au Farimetua. Bien sûr. Hein? Il faut appeler le 77-02-08. Voilà. On vous le redonne. C'est Juliette que vous aurez. Juliette, c'est la responsable du Farimetua. Hein? Le Farimetua de Montréal, il n'y a pas que ça. Il y aura aussi l'artisanat, et puis il y aura les cours de guitare et ukulélé aussi. Et il y a l'écoute, et puis il y a... Et il y a les formations. Voilà. Voilà. Donc l'école des parents à Moorea, vous avez les adresses, aussi bien la page Facebook que le numéro de téléphone. Donc si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas. Merci Patricia. Merci. Patricia, Yorana. Yorana. Te yorana, papa, il a fait Farimetua, Moorea. Farimetua e eteo teora. Ah. Orea. No trapai papa ira he Farimetua Orea na ora ia. Ah. Teora Farimetua teora i morea. Nare da o ioporo. Teria i me teira tantona papur amo Farimetua metua ete no teora. No te ate i fare i hamoni he i morea. I popo eto oa ia. E ate tomo. O hamoni ete i fare i morea no te tauturur ai te nun a no morea. No te mea, wo te whea, te mautata, i rawe mai te i whaanhor a, wo whaan o mai rātou te hapir a, o te tauturu ia rātou, rotoi tō rātou ror a, e tā rātou mautamar i. No reira te ie opuar a i wha mai e, e ha mau te ie nā whare, no te tauturu ai te nun anom o rea. Ah, tra ie, piti whare tā tātou i te rā. Teria, teria. Ti papo i tō e ia. E hata anō e po, te ie whare. Whare o nei te ha te tātā, Te whare e whare i o nei te tata. Te vei nei te mautia i her mei, e nā ratou e hor o mei te mohap ir a. Me iau nei, ta au e hor o mei iau te parau no te mana ora e vei reiro tui te tata. E e huru, mi te e huru. Mi te e huru, mi te e proprau e tāua, te vei re te mo ohipa i a parau tua i aue, e aforo o i a whaar o mei. Te vei re rā te tei i o mei, ai te o nei aforo ora. Me titahu i o nei har mei, Har me i o tui te whare me tua, an hen hea tu e mātou i a tauturu iana. Te rie, ho e tarahi ora. E, te ria. Haro tōro hai tō hatou mei te rikio? E, te ria tō mātou me tua. Nana tō e har mei, no tō mau whiwhi e hauroa, mea hohonu roa, e har tō mei onai, hor o mei tō, e hor o tō mei onai te hap ir a. Ni te prau, te prau no te mana ora e vei rertu i te tata. No te mea te e te tata i hor o mei te hap ir a ia mātou. E o nā te orumitua, e horoa nei te ihapira, i une, i teiti nei. Te ora, uha amatahi te hap, mea e roi te ria mo hapira i morea? E, uha amatahi a, uha amatahi hi anei morea e uti o whawhaiar i. Te ie te ime,
Te veira te mo hora ifat ahi no te no te farida te tata o ye mau pei porva ma te ye mahana ma maruru mai te Patricia te tu mai o we to mo rea ora o to tipo po te oi ra te ye faira ani i te ye vai pi e no mai te fori tu te pei te e te fori tu aro me o pape to oi ti te pamiti o na te vai vai e te no hia te na fari Ani, oi te perikitini oru tui te tāti ra tātou. Tomato perikitini hanhana o Albert Buchan. Te perikitini raro mai o Juju. I muri wahu mai te mono o wau. Te papa i prau o Frida, te hap of of a o Daisy. Mi pepe i ngaro hariro to, me ofo? E, te hap ira me ofo. E vei moni? E maha hanere tāra, te hap ira no iho te prau o te mana o te mana, te mana e vei neiro tui te tāta. E maha hanere tāra. I roto rai te i tuhu amuni te veitu ara te maa. Hanere tāra te maa. Whiai an anata, ha? Tano Patricia, te haramai hamarama mo i matau, i te parau, no te ena whare tōpiti, ha? Maruru mai te whare rira. Maruru mai te. Renai, te ule ajoute quelque chose? Juste que tu expliques, pour terminer, les forces vitales. Qu'est-ce qu'on appelle les forces vitales? Ben, les forces vives, qui sont en nous. Les forces que nous avons en nous. Les forces vives que nous avons en nous. D'accord. Nos capacités, c'est ça? On pourrait les traduire comme ça? Oui, peut-être. Oui, oui, on peut les traduire comme ça, parce que nous avons des forces vives, mais nous, on ne les connaît pas. Eh oui, donc voilà. C'est comment les identifier et comment les utiliser, tout à fait. C'est ça? Mais d'accord. Là, on les, hein, c'est une formation pour ça. D'accord. Bon, ben, si vous voulez plus d'infos, hein, Maurea, direction Le Farimetua. Voilà. Je peux dire un dernier mot? Oui. Voilà. Et je remercie la commune de Maurea-Maïa pour ses aides, les subventions. Et puis aussi pour le terrain qu'ils nous ont prêté. Je remercie aussi le gouvernement qui nous ont aidés aussi. Et tous ceux qui nous ont aidés à réaliser tous nos projets. Et puis ces deux maisons-là, à bâtir. Voilà. Merci Patricia. Merci. Voilà. Hapapurora, Patricia, trafore, eretfore, nura, awa. Eita. Ha? Ere, wato. Voilà. No te metevere, pevete, mutata, hamatara. Te fifi, oriona. Ai, Patricia, tene ne fatu puta aniversa koroma, te rira mo. Maru. Eita, te hare hopo ira tatato whanona whare maa hino te teme. E ti eno atu e tato i tatato mo nini, e ta iho tatato pura te dikas, tatato mo mahana whanaura. No te me, ure wana iho, e te tape wahau. Mahana whanaura, no mahangana whanau. Petero, i more e papeto oi, o oito e mahana whanaura, narto i teni rā, Kene I ke ali I o te apamai te atune. Hoarangi, te uihau. Hitu mataiti o waito e mahana whanaura. I te mahana tēnua tū I a taru aura Edwin I re te asa me kua matau bau tara tata. Edwin, o waito e mahana whanaura. I te mahana naruto I tēni rata e parata mori. Parata mahani te apamai te atune. Norira, ko maupiki, thank you very much. Nā etu atu. Uite tō rato I paru mea maupiti mea maratia. Mararu ea Claudia maa, wharira mai. Whaitoito, whanturiti iri o wharoaro atu e tatatu te dikasa no uto no maupiki. Ero, I avoro to maare oreo, hui, maupiki. Nau, harita toi raro, Sivia, pardon, mispunau hia. No. No, aita? Oui, enfin, allez, jingle, c'est parti. Je vais te laisser rejoindre les candidats et candidates qui sont sur le deuxième plateau. Et moi, je vais dire bonjour à Mawake. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Donc l'élection de Miss et Mister Punaouya, ce sera le 12 octobre prochain, la mairie de Punaouya. Avant, c'est il y aura ça. Un before organisé le 5 octobre au Pink Coconut. Donc c'est une soirée qui va permettre de présenter les candidats lors de connaître défilé. Les candidats et les candidates voilà. avant la grande soirée. Avant en la fait. Grande soirée Un petit de l'élection. Peu comme sur le principe que propose Miss Tahiti. Hein.
Voilà, c'est ça. Alors moi, je dois dire que pour la préparation d'une élection de commune, vous avez fait un travail énorme, un travail de qualité, ne serait-ce que sur les photos présentées, les photos officielles. Vous avez travaillé avec un photographe. C'est ça, oui. Tevarito Aborders, le photographe. Et on a voulu, malgré que ça soit une élection de commune, on a voulu marquer le coup et faire quelque chose d'assez grandiose, oui. Je l'espère. Quelque chose de professionnel, on a l'impression aussi, hein, parce c'est que ça. Vraiment tout est pensé. Alors, les candidats et les candidates ont été sélectionnés quand? Alors, la sélection finale s'est faite fin juin. Fin juin, ça veut dire que depuis juin, ils se préparent? C'est ça. Depuis juin, ils répètent quasiment tous les soirs, toute la semaine à la mairie de Punaouya. Pour c'est être un sacré investissement hein, pour devenir Miss ou Mister. Ben, c'est un investissement personnel, de leur part, dire, hein, oui, parce qu'ils jonglent entre leurs études et la préparation de l'élection, et aussi un investissement de la part du comité qui va à fond sur la préparation. Alors, il y a une page Facebook pour cette élection, élection de Miss et Mister Punaouya, où vous retrouverez bien sûr toutes les photos officielles. Les numéros de téléphone, parce que la soirée du 12, elle propose, c'est un dîner dansant en fait. Voilà. Enfin, alors, dîner dansant, c'est dîner, soirée, spectacle. C'est ça, il y a deux types d'entrées, les entrées dîner qu'il faut réserver à l'avance. Donc, dès maintenant, les coordonnées sont sur la page Facebook. Oui, et puis elles vont s'afficher aussi, là, chez nous. Et autrement, on a une date limite La veille de l'élection. Ah ouais, jusqu'à la veille de l'élection, oui. On pourra quand même s'inscrire. Bon, enfin, le plus tôt on s'y prend, oui, et mieux on ça. Pourra choisir éventuellement sa table. C'est on ça. Dit, moi, je veux juste à côté, là, du podium. Parce qu'on a déjà plusieurs tables qui sont parties, et il n'y en aura pas pour tout le monde, donc il faut... Voilà. Donc le 12 octobre et le 5 octobre, hein, c'est ça. Hein. Retenez bien ces deux dates pour l'élection de Miss et Mister Punaouya. Toute la semaine, on va découvrir ces garçons et ces filles. Mario, tu es à côté d'un premier candidat. C'est le candidat numéro 1 d'ailleurs. Yorana. Donc je me présente, Tounouifi, 21 ans, et je suis le candidat numéro 1. Je suis actuellement en deuxième année de BTS Management des unités commerciales et en vue de devenir chargé de compte dans le secteur bancaire. Voilà. Bon, et après, à côté. Yorana Mario, o Mauro Hibane Toioa, et petit Ahurumaho et Mateiti Tou. Et te Mateiti, et Wano Ato ou Prohiatrio Frani BTS. Et te Harenevo, et te Hapir Ateite no Tumoro. No te Fainene, te tu te Hia licence. Et te Hina Aronevo, et Ravet Oipa, et Rotoite Tuha Totiari. Maru. Bonjour, je me présente Maria Lagnier-Chéon, j'ai 18 ans. Je suis actuellement étudiante en dernière année de lycée en économie et sociale. Plus tard, si mon futur me le permet, je souhaiterais devenir professeure des écoles. Je suis la candidate numéro 3. Bonjour à tous, je m'appelle Rihanna Tetaria, j'ai 18 ans. Je suis actuellement au lycée Saint-Joseph de Otumoro, en première année Bac Pro SAPAT, service aide aux personnes et au territoire. Plus tard, j'aimerais être sage-femme ou aide médico-psychologique. Je suis candidate numéro 5. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yolani Manutei, j'ai 19 ans. Je suis en première année de licence en LLCE anglais à l'Université de Polynésie française. Et si le futur me l'accorde, pour devenir prof d'anglais. Et je suis la candidate numéro 2. Bonjour à tous, je me présente Blaise Teotoga, j'ai 17 ans, je suis le candidat numéro 3 et je suis actuellement en première année de littérature et en vue de devenir plus tard sous-officier à la Marine nationale. Voilà. Oui. Un futur marin. Et candidat numéro 20, Mario Bros. Non, Mario, oui. Retourne au candidat. Attends, je voulais questionner un peu une des candidates. Alors. Ti fan hora mai tira puru tu no punavia e a te tei umana i tupu i te mai tira pun me i punavia. Orumapiti? Ah, orumapiti no atupa. I hi a tupu oi? I te fare oire no punavia. Or hau haumata? Disne? Orahito i te po. Noria, pauro o tau tramon pra afeti e te imata i te imai? Hare pauru o tō tita o tō tite tino te hare tamā, e o tī mai tītu e o tō e, o e rai te puro tūno punāwia, tamaro, tamaine.
Voilà, les Nike. Alors, attends, parce qu'on a le temps, alors on va en profiter, on va poser encore une autre question. On refait un tour, et au premier candidat, on va poser la même question pour tout le monde. Hein. En thaïsien? Non, pas en thaïsien, en français. Qu'est-ce qui parce que si c'est en thaïsien, Naruto Tatut, Kanivo Yaretu. Tenoui, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à cette élection? Alors, pour ma part, c'est un défi personnel, et j'ai été poussé par mon entourage. Ton entourage, c'est quoi? Les copains, la famille? La famille et les copains, voilà. Et alors, les copains, quand tu leur annonce, tiens, je vais aller faire Mister Punaouya, qu'est-ce qu'ils te racontent? Ils sont très contents et ils sont fiers. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris depuis le mois de juin, là, depuis que vous êtes en préparation? Alors, des choses que tu ignorais complètement dans ce paysage de Miss et Mister. Déjà, comment marcher en public, comment se tenir en public et bien parler en public, voilà. Ah, c'est pas facile, hein, c'est oui. Vrai, hein. Et là, c'est une première télé pour vous toutes et tous, là? Oui, exactement. Première télé cette semaine. Alors, merci de venir sur notre plateau. Même question pour les suivantes. Alors, c'est candidate numéro... C'est qui? C'est Heyana, c'est la 8. Mauruhi, à côté de toi, Mario. C'est toi? Oui. Hein? Tu n'as pas de talent à me prêter parce que là, je suis le plus petit. Hein. Ben, écoute, c'est ça les Miss et Mister. Hein. Oui. Donc toi, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire? C'est également un défi personnel. J'ai voulu m'investir dans une autre aventure, telle qu'une élection. J'ai voulu aussi savoir ce que ça fait de faire partie d'une élection. Est-ce que tu vois plus loin comme l'élection Miss Tahiti? En effet, si l'avenir me le permet, je serai fière de faire partie des candidats de Miss Tahiti. Voilà. Et à côté de toi, alors, c'est qui? La candidate numéro 3. La candidate numéro 3, qui est Marie Alani, c'est ça, hein? Oui, exactement. Alors, je me suis présentée à cette élection, tout d'abord, car c'est une expérience, une nouvelle expérience que j'ai voulu donc essayer. De plus, ça, étant donné que je suis une personne très sociable, j'ai voulu également créer des liens avec des personnes que je ne connaissais pas du tout. Et aujourd'hui, j'en suis très fière, car c'est une très belle expérience que je vis actuellement. Oui, et puis j'ai vu sur votre page Facebook, vous avez fait quoi? Du saut en... Du parapente. En parapente. Exactement. Vous n'avez pas eu peur? Non, pas du tout. C'est vrai? C'était à vivre, c'est gratuit, donc pourquoi pas tenter? Il y a d'autres choses comme ça, où il y a beaucoup d'adrénaline qui vous ont été proposées? Non, pas du tout. La nage avec les dauphins. Ah, la nage avec les dauphins. La nage avec les dauphins, oui. D'accord. Bon, ben, merci et bon courage pour l'élection. Merci beaucoup. Ensuite, rappelle-moi ton prénom. Heyana. Heyana. Heyana, c'est la candidate numéro 5. Alors oui. Toi, est-ce que c'est la famille, les copines? Enfin, moi, c'est ma famille. Depuis toute petite, on m'a demandé de participer à une élection. Élection de Miss Puka Puka. Mais... Enfin, il y a une tante qui est décédée dans la famille et pour elle, je suis venue me représenter à Miss Punaouya pour lui rendre hommage. Bah, profites-en pour faire des bisous à la famille de Puka Puka. Hein. Oui, plein de bisous. Et à côté de toi, alors, c'est Yolani. Yolani qui est la candidate numéro 2. Oui. Donc toi, pourquoi tu t'es inscrite à l'élection? Alors moi, tout d'abord, c'était pour acquérir une nouvelle expérience, mais aussi pour regagner confiance en moi. Et aussi vaincre ma timidité. Mais moi, j'ai l'impression que c'est toutes les filles et les garçons qui sont timides. C'est votre âge aussi en même temps, non? Est-ce que vous étiez tous timides ou alors pas du tout? Si on était tous timides. Un petit peu, hein. Surtout les garçons, je crois, non? Non. Non? Toi, t'étais jamais timide, Mario? Et alors, c'est Blaise. Blaise, maintenant, qu'on va écouter. Oui, c'est cela. Alors, je me présente Blaise. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le candidat numéro 3 de cette élection. Voilà. Et toi, pourquoi est-ce que tu t'es inscrit à cette élection? Comme tous les candidats, c'est une raison personnelle. Mais j'ai voulu aussi acquérir beaucoup de connaissances dans ce genre d'événement. Et j'ai voulu aussi agrandir mon niveau de maturité et essayer d'agrandir ma vie sociale. Voilà. Te faire de nouveaux amis, tu veux dire? Voilà. D'accord. Et alors, tout à l'heure, il y avait Tenoui qui nous disait qu'il avait appris à se tenir, à parler en public. Est-ce que toi, il y a des choses que tu fais plus maintenant depuis que tu as commencé les formations à l'élection? Je ne sais pas, dans ta façon d'être ou dans ta façon de parler. Est-ce qu'il y avait un tic que tu as enlevé? On va dire que cette élection m'a permis d'avoir une très bonne démarche
Avant, tu marchais comment? Comme un cow-boy, comme un surfeur? Voilà, on va dire ça comme ça parce que je pratique beaucoup de sport. Oui. Et en d'autres termes, le surf. Je suis à fond dans le surf. Et j'avais un peu des petits problèmes au niveau de la démarche. Tous les deux, là, parce qu'il nous reste encore un peu de temps. Les garçons, hein, je parle. Hein, est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous marchiez avant et comment vous marchez maintenant? Parce que ça, c'est important de voir la différence. C'est comme ça. Vous... Il y a Mario qui montre. Est-ce que, je ne sais pas, vous traîniez les pieds avant, vous ne le faites plus? C'est ça, c'est ce genre de choses? Alors, avant de se présenter à l'élection, moi, j'avais les pieds qui traînaient, je regardais toujours le sol. Et maintenant, avec cette élection, grâce à nos chorégraphes, on a su se tenir, donc bien se tenir droit et toujours regarder vers l'avant. Et quand la première fois, on t'a dit, dis donc, Tounoui, tu vas arrêter de traîner les pieds et puis tu vas lever les yeux, est-ce que ça a été facile? Est-ce que tu t'es pas dit, oh, dis donc, qu'est-ce qu'on me demande là? Tu peux répéter la question? Est-ce que ça a été facile pour toi quand le chorégraphe, justement, t'a dit, Tounoui, tu traînes trop les pieds et tu lèves pas assez les yeux? Est-ce que quand il t'a dit de le faire, pour toi, ça a été quelque chose de difficile? Oui, ça a quand même été une chose difficile parce que je suis de nature très timide, donc j'évite le regard des personnes. Ah ouais, et là, quand vous allez être sur le podium, vous apprenez à regarder aussi droit devant, voilà. Là. Tout droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Oui. Oh, Mario, regarde droit dans les yeux, Tounoui. Ça va, Eric? En tout cas, les garçons que nous avons aujourd'hui, donc candidat numéro 1, candidat numéro 3, et nous avons les candidates numéro 5, 2, 8 et 3 aussi. Vous pourrez les retrouver sur la page Facebook de Miss et Mister Punaouya. Quelque chose à rajouter sur leur préparation? J'ai l'impression que vous leur faites des cadeaux aussi. Hein. Ils apprennent des choses, mais vous leur apprenez à se détendre aussi. Ils ont eu beaucoup de sorties. Pour pouvoir justement faire connaissance entre eux. Avec le public aussi. Avec le public et découvrir la commune, parce que les activités se sont faites dans la commune. Maintenant, moi je dirais qu'ils sont prêts pour assurer le show. Donc je donne rendez-vous à tout le monde le 12 octobre à la mairie de Punaouya. Et bien sûr, on n'oublie pas de remercier la ville qui nous a soutenus, la ville de Punaouya et les partenaires sans qui cette élection n'aurait pas pu avoir lieu. Est-ce qu'ils ont des cours aussi de culture ou des choses... des questions d'histoire, par exemple, sur leur commune? Ils ont passé un test de culture générale au début des préparations, où ils avaient des questions sur la culture locale, sur leur commune. Et alors, si on avait faux aux questions, ça nous donnait des points en moins, c'est ça? En tout cas, une mauvaise note, et les notes, elles étaient communiquées à tout le monde. Aïe. Donc, voilà. Donc là, après, une fois qu'on a des mauvaises notes, on peut les remonter? Alors, ils seront notés par le comité, par le public, qui peut voter sur la page Facebook en aimant les photos. Ah, ça veut dire que là, quand il y a eu la présélection, on leur a donné un questionnaire qui a déjà été noté. Et ces notes seront prises en compte aussi le soir de l'élection. Pas les notes du questionnaire, mais les votes du public sur la page. D'accord. Les notes du comité sur leur comportement, les notes de l'oral. Ah bon, non, parce que c'était important de dire, si jamais ils avaient des mauvaises notes dès le départ et qu'il faut les remonter, ça veut dire qu'il faut, il faut les encourager dès maintenant. C'est pas toujours évident, même, de connaître l'histoire ou des choses à faire dans sa commune. On a tendance à graviter toujours autour du même endroit. Donc là, vous leur avez fait connaître de long et en large la commune de Punaouya. Donc non, maintenant, ils sont incollables sur la commune, c'est maintenant, ça? Maintenant, ils connaissent leur commune. Ils sont allés sur le plateau de Tamanou, ce qui est normal quand on habite Punaouya. Oh là là, ça a dû être dur. Hein. C'était dur? Le plateau des Orangers? Attends, je vais répondre. Non, ça va. Ça va. Bon, en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses pour l'élection. On rappelle que c'est le 12 octobre à la mairie de Punaouya et qu'il y aura juste avant une soirée before. C'est comme ça que ça s'appelle. Ce sera le samedi 5 octobre et vous retrouverez toutes ces dates sur leur page Facebook. Il nous reste à vous faire plein de gros bisous, à vous souhaiter un bon appétit si vous vous mettez juste à table. Merci à nos invités. Merci Mario et merci aux candidats et candidates. T'as le droit de dire au revoir, Mario. Hein.